La spécificité du centre de tri de Villeneuve-Loubet, c'est la mise en place d'une solution de tri qu'on appelle Robin, une solution robotisée et une solution performante. Nous sommes ici sur le centre de tri Veolia de Villeneuve-Loubet. C'est un centre de tri qui chaque année réceptionne et trie 110 000 tonnes de déchets, donc sur 2,5 hectares. Avec 25 employés. Nous réceptionnons chaque année différentes typologies de déchets, à la fois de la biomasse, donc des déchets verts, des déchets issus des déchetteries, des déchets électroniques et d'électricité, et également des déchets d'ameublement. Et la spécificité du site de Villeneuve-Loubet, c'est que nous avons développé une innovation pour traiter ces déchets d'ameublement issus du territoire azuréen. Cette solution s'appelle Robin. Robin, ça veut dire robot et innovation. Donc on se trouve ici dans la cabine de tri Robin. Donc on voit la zone de réception. Donc la pelle sur ce périmètre, elle fait toute la partie pré-tri. On retire toute la fraction de déchets volumineux qui n'a pas nécessité de monter sur la chaîne de tri. Ensuite, on a une fraction de bois qu'on va pouvoir charger sur le convoyeur. Ces convoyeurs amènent le déchet jusqu'à la zone Robin où Nader va pouvoir prendre la main, notre opérateur, pour stopper. Ce qui va permettre à la machine de pouvoir prendre une photo en trois dimensions qui va être reportée sur le pupitre et à partir de là, il va pouvoir désigner les indésirables qu'il souhaite retirer. Et là, le robot, donc, du coup, se saisit de l'objet qui a été désigné par Nader et relâche le déchet dans la goulotte concernée, à savoir que nous avons le refus, le plastique, les métaux et le reste des rembourrés. Le flux va continuer d'avancer automatiquement. Donc, suitera dans le broyeur et à partir de ce moment, un autre convoyeur récupère la matière broyée avant d'être chargé dans des semi-remorques à destination des usines de panotiers. Donc Robin permet d'apporter plusieurs avantages. Le premier, c'est une meilleure qualité de tri. Le deuxième avantage, c'est qu'on a un taux de recyclage et de valorisation très important, 95%. Le troisième élément, c'est que cette solution robotisée permet d'améliorer les conditions de travail et la sécurité pour nos collaborateurs.